toi. Il ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant il n'est comme toi. Il est comme toi. Il ne peut toucher mon cœur comme toi. Éternellement, pourtant, il est comme toi. Bonsoir, maman Alpha, bonsoir, maman Rika. Ta bonté, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père, et nous te bénissons. Bonne soirée, maman Blandine. L'enfant qui te bénisse souvent, toi, sur la vie. Il n'est comme toi. Il n'est comme toi. Il n'est comme toi. Il ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, il n'est comme Alléluia, élevons nos voix bénies dans le Seigneur. Alors que nous chantons que nul n'est comme ces dieux-là, en même temps déclarons et proclamons la grandeur et la bonté de ces dieux-là. Nul n'est comme notre Dieu. Alléluia. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Alléluia. Ta bonté coûte le corps vivant. Et c'est ta main qui guérit en toi. L'enfant qui souffre en toi est sur abri. Il n'est comme toi. Il n'est comme toi, Seigneur. Il n'est comme toi, le roi éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Je pourrais chercher éternellement. Merci Seigneur, ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa grandeur. Notre Père, te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci grand roi de l'univers. Merci Seigneur Dieu tout-puissant. Alléluia. Mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, il est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant il est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant il est comme toi.
amour, merci pour ta fidélité, nom puissant de Jésus. Nous élevons nos voix vers ton trône dans toute la gloire. Seigneur, nul ne comme toi. Béni, Seigneur notre Dieu, ce temps que nous passons dans ta présence et glorifie ton nom au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel Dieu tout-puissant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ce soir, nous voulons prier, bien-aimé, contre les esprits séducteurs. Comme la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, vers le temps de la fin, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible dit clairement, les temps seront difficiles. Difficiles. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Il dit par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action et grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la caractéristique du temps de la fin. Et l'apôtre Paul est en train de nous mettre en garde, disant que vers la fin, le temps de la fin, on va constater que les gens vont abandonner la foi. Les gens vont s'attacher à des choses vaines. Les gens vont s'attacher, bien aimé dans le Seigneur, à l'idolâtrie. Les gens vont s'attacher, bien aimé dans le Seigneur, à l'argent. Les gens vont s'attacher au plaisir. Les gens vont s'attacher, bien aimé dans le Seigneur, à des choses qui ne valent absolument rien. Et ils vont abandonner la foi, bien aimé, pour ces choses-là. Ils vont suivre, bien aimé dans le Seigneur, des séducteurs qui parleront, bien aimé dans le Seigneur, de la part des esprits séducteurs, qui ne sont que, bien aimé dans le Seigneur, que des esprits des démons, des esprits des mensonges. Certains, bien aimé dans le Seigneur, vont prendre communion avec les esprits des morts, dont la Bible nous interdit. Vont prendre, bien aimé, contact avec les esprits des morts pour chercher à connaître l'avenir, pour chercher à connaître leur futur. Comme je vous ai dit hier, les gens sont friands actuellement de connaître leur futur, leur avenir. Ça a toujours été comme ça avec l'homme, bien aimé, depuis les temps anciens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été, ce qui est maintenant, c'est ce qui sera demain. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous met en garde par l'apôtre Paul en disant, faites très attention. Vers le dernier temps, il y aura des esprits séducteurs. Les gens vont abandonner la foi. Il y aura, bien aimé, dans le ciel, ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Bien aimé, au lieu, les gens s'accrochent à Dieu par la foi, bien aimé, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La Bible est claire, bien aimé dans le Seigneur. Que celui qui s'approche, bien aimé dans le Seigneur, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La foi, bien aimé, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Mais c'est temps de la fin, les gens veulent connaître, les gens veulent savoir ce qui va se passer demain, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui est demain, c'est Dieu qui était hier. Il est celui qui était, il est celui qui est, il est celui qui vient. Donc, tant que j'ai la foi en Dieu, tant que j'ai la confiance en Dieu, tant que mon espérance est en Dieu, c'est ce qui me suffit. Ce qui va se passer demain, il le sait. Ce qui s'est passé hier, il le sait. Ce qui se passera aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui, il le sait. Mais moi, je lui fais confiance. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me dirige. Moi, mes regards sont fixés sur lui, bien-aimé. Nous devons fixer nos regards sur Dieu. Et ne pas, bien aimé dans le Seigneur, nous attacher à des esprits séducteurs. Nous approcher de Dieu avec foi, comme Abel. Bien aimé dans le Seigneur, Abel s'est attaché, bien aimé dans le Seigneur. C'est avec foi qu'Abel s'était attaché à Dieu. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par la foi.
Il a fait confiance à Dieu. Il lui a donné ce qu'il y avait de meilleur, sachant que Dieu est le meilleur. Il mérite le meilleur des meilleurs. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, par la foi, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons suivre la voie d'Abel. D'offrir à Dieu ce qu'il y a de meilleur. De donner à Dieu ce que nous pouvons, ce que nous avons de meilleur. Notre temps, le meilleur moment que nous devons donner à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous avons de meilleur, nous devons l'offrir à Dieu. Sachant, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Que de suivre, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits séducteurs. Les esprits, bien-aimé dans le Seigneur, du temps de la fin. Parce que nous savons, bien-aimé, Satan se déguise en ange de lumière. C'est comme ça la plupart viennent, disant qu'ils sont de... Soi-disant qu'ils sont des serviteurs de Dieu, soi-disant qu'ils sont des servantes de Dieu, qu'ils sont des servantes de Dieu, soi-disant sont prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, bien-aimés dans le Seigneur, que sais-je encore? Ces gens-là, quand ils viennent, bien-aimés dans le Seigneur, au dehors, ils ont l'air d'être effectivement apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Mais bien-aimé, au-dedans d'eux, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des loups cruels, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimé, ils parlent à travers des esprits séducteurs, les esprits du temps de la fin, tel que la Bible nous dit. Et les gens veulent s'attacher, bien-aimé dans le Seigneur, à ces gens, à pied des personnes. Apocalypse 16, le verset 13 nous dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu puissant, de le rassembler, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, le rassembler pour les combats du grand jour. Bien-aimé, donc l'apôtre Jean est en train de nous montrer comment, bien-aimé, il y aura un déferlement, une prolifération d'esprits séducteurs vers le temps de la fin. J'ai dit bien, une prolifération d'esprits séducteurs vers le temps de la fin. Dans ce temps de la fin, il y aura une prolifération des esprits séducteurs. Et les gens vont s'attacher à ces esprits-là. Ne sachant pas, bien évidemment, aussi, que ceux-là qu'ils déclarent comme étant prophètes, comme étant vrais pasteurs, comme étant vrais apôtres, comme étant vrais docteurs, vrais évangélistes, bien évidemment, le Seigneur, ils sont sous l'inspiration des démons, sous l'inspiration des mauvais esprits. Je suivais tout à l'heure, j'avais déjà suivi ce témoignage, un pasteur qui disait d'ailleurs, c'est en méditant ce soir que j'ai pensé à ce que je venais de suivre la journée. Il dit, voilà, ça coïncide de toute façon. Mais le Saint-Serviteur, avant de mourir, qu'il a déclaré, dans son église, il avait 50 personnes, 100 personnes, peut-être juste à peine 150. Et puis, il était inquiet parce qu'il voulait aussi avoir, les gens avec qui il avait commencé le ministère, bien aimé dans le Seigneur, ils avaient des milliers de gens dans leur ministère. Et après, voilà, il dit non, mais il est allé voir un de ses amis. Il dit, ben écoute, on a commencé le ministère ensemble. Mais comment se fait-il que toi, après un certain, le même nombre dans le ministère, mais comment toi, tu draines des foules derrière? Oh, tu tiens absolument, ah ouais, je vais savoir, montre-moi quand même les secrets. Il dit, ben écoute, ben sois fort, hein. Ben il a pris, bien aimé, ils sont allés, je ne sais pas, vers la côte. Et puis là, bien aimé dans le Seigneur, il y a un esprit qui est sorti de l'eau. Et l'esprit lui a parlé, voilà, est-ce que tu veux bien, tu tiens absolument, oh oui, je veux aussi mon ministère puisse être dit au Seigneur. Mais il dit qu'il a couché, c'est la personne elle-même avant de mourir, c'est cet homme de Dieu avant de mourir. J'ai suivi ce témoignage-là, lui-même qui lit, il a couché avec cet esprit-là. Et cet esprit lui a fait un signe de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est parti. Après cette cérémonie, il est retourné. Aussitôt, il est arrivé dans l'église, je vous raccourci les détails, bien aimé, je raccourci les détails. Il a commencé à parler, bien aimé, dans le Seigneur, de prophétiser de manière spectaculaire, des choses vraies. Mais il devait coucher avec les femmes dans l'église, les femmes mariées, tout comme elles dans le Seigneur, les femmes non mariées, dans l'église. Et aussi les petites filles vierges devaient coucher avec dans l'église.
C'est l'homme de Dieu, c'est lui-même qui fait. Avant de mourir, il a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Vous imaginez à quel point, si on ne fait pas très attention, bien-aimé, dans ce temps de la fin, bien-aimé, nous allons abandonner la véritable foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà pourquoi je disais que ce soir, bien-aimé, nous allons prier contre les esprits séducteurs. Que Dieu nous en préserve. Chasser ces esprits loin de nous. Que Dieu nous préserve, bien-aimé, des esprits séducteurs. C'est important, bien-aimé. Nous ne savons pas, bien-aimé, qui est bon, qui n'est pas bon. Mais bien-aimé, c'est notre sincérité, bien-aimé, et notre engagement vis-à-vis de la véritable foi qui va nous aider. Pas, bien-aimé, parfois de suivre le bling-bling, comme on dit. Bien-aimé, ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Voyez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On en a parlé, bien-aimé, dans le Seigneur. Malheureusement, c'est la caractéristique des hommes. De Timothée 3:1. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Même pour s'approcher de Dieu, donner à Dieu ce qu'on peut lui donner, ça sera difficile. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Voyez-vous, n'est-ce pas? Insensibles à la parole, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Parfois, venus dans les églises, les gens ne s'attachent pas à la parole. Mais au contraire, les gens aiment danser. Quand on commence la danse, c'est la danse. Ayant l'apparence de la piété, reliant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais nous devons être sérieux avec l'évangile. Il y a des gens que nous devons éviter dans nos vies en ces temps de la fin. On constate que non, cette personne-là risque de mener en erreur. On s'en éloigne. Et Pierre l'a dit, bien-aimé. Il y a parmi vous, parmi le peuple, des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui, il y a parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Dit plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause de. Voilà, bien, plusieurs le suivront dans leur dissolution, bien aimé dans le Seigneur. On dit des scandales, on dit, mais écoutez, cette personne-là, c'est une personne à scandale, la personne vit dans le scandale. Les gens le voient, la personne parfois a du mal à s'expliquer. Les choses sont aussi claires comme l'œil de roche, mais les gens refusent de croire à ce qu'on leur dit, à ce qu'ils ont vu, au scandale de leur pasteur, de leur docteur, de leur prophète. Ils refusent, ils restent toujours attachés. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ouais, bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ces temps de la fin. À cause de quoi, bien, les esprits séducteurs, les faux prophètes, bien, viendront avec des esprits séducteurs. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles. Voilà, c'est ce qui se passe. Ils sont en train de trafiquer, bien aimé. Ce sont ces gens-là qui disent, donne autant, des gens donnent. Parce que ce sont les esprits séducteurs qui poussent les gens à donner. Au moins des paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Heureusement, bien aimé, Dieu est au ciel. La ruine ne sommeille point. Ce n'est qu'un problème de temps. Ils seront frappés. Bien aimé, la ruine ne sommeille point. Ah oui. Et dont la ruine ne sommeille point. Dieu voit tout. Mais nous, bien aimé, dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, en ces temps de la fin, nous devons nous attacher à la saine parole, à la saine doctrine. Nous devons nous attacher à la vérité, à l'amour, bien aimé, l'amour de la parole. Nous devons aimer la parole en ces temps de la fin. Aimer la parole, parce que ces gens viendront même avec des miracles. Ces gens viendront avec des vraies prophéties, entre guillemets. Ils viendront avec ça, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas te dire, mais c'est, de toute façon, mais ce qui sort de sa bouche est vrai, non? Il m'a parlé de ma grand-mère, il m'a parlé de mon père, il m'a dit ceci, effectivement, c'était arrivé, mais qu'est-ce qui prouve que c'est faux ce qu'il dit? Ben oui. Qu'est-ce qui prouve que c'est faux? L'amour de la vérité.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Oui, n'est-ce pas? Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà. Oh ouais, ce qu'il dit est vrai. Moi, je ne vois pas, ou je ne vois pas l'erreur. Oui, tu ne vois pas l'erreur parce que tu n'es pas attaché à la sainte, à l'amour de la vérité. À la sainte doctrine. C'est elle qui va t'ouvrir les yeux pour te montrer certains détails. Mais tu vas voir certains détails. Non, 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 il y a un souci là-dedans. Ces détails-là me montrent que non, il y a un souci là-dedans. Il y a un souci, c'est pas possible. Mais si tu n'es pas attaché à la sainte doctrine, ça sera difficile. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est par la puissance de Satan. Mais avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais pour s'en sortir, il n'y a que l'amour de la vérité. Pour s'en sortir, il n'y a que l'amour de la vérité. Dans les cas contraires, Dieu dit clairement, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà, si tu n'aimes pas la vérité, voilà, Dieu envoie, mesdames et messieurs, une puissance d'égarement pour que tu puisses croire au mensonge. Voilà, c'est bon quoi. Comme tu tiens, tu pour toi, voilà, allez, vas-y. Bienvenue au Seigneur, que Dieu nous aide. Bienvenue, que Dieu nous aide, attachons-nous à la parole. Aimons la parole, attachons-nous à la parole, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui va nous sauver, bien-aimé, des esprits séducteurs du temps de la fin. Ce sont, bien-aimé, des esprits, bien-aimé dans le Seigneur, qui envoûtent les gens. Quand les gens écoutent ces prophéties-là, mais quand ils prêchent la parole, ça, je sens mon corps frémir. Attention, ce sont des esprits séducteurs. Écoutez, il dit clairement, j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche des faux prophètes, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. De la bouche, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui sort de la bouche. Alléluia. De la bouche. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges, ouais, bien dans le Seigneur, qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qui font des prodiges, bien aimé dans le Seigneur. Des esprits séducteurs qui font des prodiges. Bien aimé, faisons très attention. C'est temps de la fin, attachons-nous à la parole de Dieu. Pour résister aux esprits séducteurs, c'est l'amour de la vérité. Il n'y a que l'amour de la vérité, mais qui peut nous aider à résister aux esprits séducteurs, à être préservés des esprits séducteurs. L'amour de la parole, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Satan, bien aimé dans le Seigneur, c'est un menteur et Satan, c'est un séducteur. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. C'est jamais, mais tu le verras, il sait dans le détail de quoi que ce sont des faux. Mais dans les cas qu'on dit, ils vont se déguiser. La Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Ce sera comme de vrai. Ils vont écrire des livres, entre guillemets. Quand tu lis, tu as compris. Mais tout est vrai. Mais bien aimé, il y a des livrets là-dedans. La Bible dit, tu auras du mal à distinguer les blés livrés. Jésus dit, laissez-les croître ensemble. C'est à la moisson qu'on soit. Dis, laissez-le. Et nous aurons des faux autour de nous, à côté de nous. Il n'y a que l'amour de la vérité qui va nous préserver. Sois vrai avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Sois intègre dans ta vie. Mais Dieu va te préserver. Tu vas même manger avec eux. Mais tu vas même dormir avec eux sans le savoir. Mais Dieu te préservera. Ils viendront avec, même avec, avec le poison. Ils te mettront, mais sois vrai. Même les poseurs me diront, mais comment ils n'arrivent pas à mourir? Dieu aussi le va leur montrer que non, toi tu es vrai. Il y en a même qui vont confesser, dire non, j'ai cherché à le tuer, j'ai cherché à lui faire du mal, mais je ne suis pas arrivé. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il a? Parce que mais, tu es vrai, tu es intègre, tu es honnête, tu es sincère. Bien, mais, tu es vrai avec ton Dieu. Bien, mais que Dieu nous aide à être vrai avec Dieu. N'arrêtons pas dans les chipotages, ouais, il a fait ceci. Non, accroche-toi à ton véritable Dieu. Aimons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aimons sa parole. Vous allez lever nos voix, Seigneur, merci. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, élevons nos voix, bénissons le Dieu qui nous a appelés, Seigneur. Alléluia, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la vie.
Merci, tendre Père, pour ton amour. Merci pour la parole, oh Dieu Tout-Puissant. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la Nouvelle Alliance. Merci pour le sang de la grâce et de la faveur. Merci pour le sang de la libération. Merci pour le sang de la paix. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Toi, les dieux de gloire. Toi, les dieux fidèles. Toi, les dieux d'amour. Toi, les dieux de paix. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous t'exprimons toute notre reconnaissance, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies, de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te bénissons, toi le grand roi. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix et merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi le grand roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci, grand roi de l'univers, pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Nous allons élever nos voix, bénévoles dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé, nous allons prier. Ah, au tendre Père, pardonne-nous pour notre négligence. Bien-aimé, que Dieu nous pardonne à cause de notre négligence, à cause de notre, notre négligence, bien-aimé, dans le Seigneur. Et parfois, je peux même dire, non seulement la négligence, bien-aimé, dans le Seigneur, notre naïveté, bien-aimé, dans le Seigneur. La négligence, la naïveté, bien-aimé, que Dieu nous pardonne, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimé Seigneur. Pardonne notre négligence vis-à-vis de la parole, bien-aimé. Que Dieu nous pardonne. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pardonne-nous à cause de notre négligence. Pardonne-nous, tendre Père, notre négligence, Seigneur notre Dieu. Nous sommes négligents parfois vis-à-vis de ta parole. Seigneur, pardonne notre négligence. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Pardonne-nous, tendre Père, nos péchés, notre Seigneur, notre Dieu. Nous nous sommes attachés à des choses vaines. Notre idolâtrie, notre attachement, notre engagement à des choses vaines. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous t'appartenons, éternel Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi que nous sommes ton peuple. Dieu Tout-Puissant, nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Pardonne ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour alléluia, de nous accepter tels que nous sommes, nos puissants de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te glorifions, nos puissants de Jésus-Christ. Alléluia, éternel notre Dieu, merci. Merci, c'est notre Dieu, de nous laver, Seigneur, de nous purifier. Tout contact, alléluia, avec des esprits séducteurs. Alléluia, c'est notre Dieu, merci pour le pardon au puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu grand redoutable, nous te bénissons, nous te glorifions. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons maintenant prier, bienvenue dans le Seigneur, nous allons maintenant nous lever contre, alléluia, les esprits des démons, n'est-ce pas? Bien, nous allons nous lever contre les esprits des démons, alléluia, auxquels, bienvenue dans le Seigneur, nous sommes exposés. Alléluia, parfois, à travers, bien dans le Seigneur, les faux prophètes. J'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits un peu semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits des démons. Mais parfois, bien aimé, le fait que nous avons accepté, nous avons dit Amen, entre guillemets, bien dans le Seigneur, à ces prophéties, à cette parole-là, mais pourtant, bien aimé, c'est des enseignements démoniaques. Le fait d'avoir dit Amen, bien aimé, dans le Seigneur. On a dit, bien aimé, dans le Seigneur. Les gens vont s'attacher à quoi? Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever contre les esprits séducteurs. Mais tu vas chasser les esprits séducteurs au nom de Jésus. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, ils chasseront les démons. Bien-aimés, nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Nous allons bien-aimés chasser les esprits séducteurs de nos vies, de nos familles, autour de nous, nos puissants de Jésus.
Allez, élevons nos voix, proclamons trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Les vainqueurs de Golgotha, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre les esprits séducteurs au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Nous nous lèvons contre les esprits séducteurs et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous lèvons contre les esprits séducteurs. Je lis ces esprits-là. Les esprits séducteurs, je le lis. Je le renvoie dans leur milieu d'origine au nom puissant de Jésus. Je le renvoie dans le lieu aride. Tendre Père, je m'adresse contre les esprits séducteurs, les esprits des démons, les esprits impurs, les esprits des cieux. Tendre Père, je lis ces esprits au puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, qu'ils retournent dans leur lieu d'origine, au nom puissant de Jésus. Je le renvoie dans le lieu aride, qu'ils ne reviennent plus jamais, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta grâce et pour ta faveur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons, grand roi de l'univers. Merci d'étendre ta main de grâce. Merci d'étendre ta main de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons, nous lions les esprits impurs. Au nom puissant de Jésus, que ces esprits soient neutralisés. Je lis les esprits impurs. Au nom puissant de Jésus, je lis ces esprits impurs. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Je me dresse contre les esprits impurs au nom puissant de Jésus. Les esprits séducteurs, que ces esprits soient liés, qu'ils soient neutralisés. Je le chasse de ma vie, de la vie de mon épouse, de ma maison, de mon ministère. Je chasse les esprits impurs au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Que les esprits impurs soient neutralisés, neutralisés. Je le renvoie dans le lieu aride, qu'ils ne reviennent plus jamais, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les intime l'ordre par la puissance du nom de Jésus de retourner dans leur milieu d'origine. Au nom puissant de Jésus, les esprits séducteurs, Dieu Tout-Puissant, nous nous lèvons contre les esprits séducteurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta victoire. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Bénis dans le Seigneur. Nous allons anéantir, bénis dans le Seigneur, alléluia, les doctrines démoniaques, bénis dans le Seigneur. Bénis dans le Seigneur, nous allons bien annuler les doctrines démoniaques dans nos pentes, dans nos vies. Bien, tu vas annuler les doctrines démoniaques au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien, tu dois bien annuler toute parole, toute doctrine démoniaque à laquelle tu as dit Amen. Bien, tu vas l'annuler, tu vas dire à notre Dieu, je brise toute alliance aux doctrines démoniaques au nom puissant de Jésus. Toute alliance aux fausses prophéties. Toute alliance aux fausses paroles, je renonce à toutes les doctrines démoniaques, à toutes les fausses prophéties, j'y renonce et je brise toute alliance au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, bien, commence à renoncer, n'est-ce pas, bien, renonce, bien, dans le ciel, à toutes les doctrines démoniaques, bien, à toutes les fausses prophéties, bien, commence à y renoncer et brise toute alliance à ces doctrines, bien, démoniaques. Tendre Père, je viens renoncer à toutes les fausses prophéties, je renonce éternel, notre Dieu, aux fausses prophéties, tendre Père, auxquelles j'ai dit Amen, auxquelles j'ai dit oui, je renonce à toutes les fausses prophéties, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, maître du ciel et de la terre, je renonce à toutes les fausses prophéties. Je brise toute alliance avec les doctrines démoniaques. Tendre Père, alléluia, j'annule toute alliance avec les doctrines démoniaques. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la grâce, le sang de la faveur, le sang de la libération, le sang de la paix. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant, tendre Père, nous nous lèvons. Je viens briser toute alliance avec des doctrines démoniaques, toute alliance avec, Seigneur, notre Dieu, des fausses prophéties. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci. Merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons nous lever, nous allons briser toute alliance avec des esprits de cimetière. Toute alliance avec les esprits des morts. Vous savez, bienvenue dans le Seigneur, les esprits des morts, bien, mais ce sont les esprits de divination.
Bien-aimés, les gens parlent avec les esprits des morts pour pratiquer la divination, pour faire venir des faux prophéties, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens, bien-aimés dans le Seigneur, font alliance avec les esprits des morts. Mais nous allons nous lever contre les esprits des morts. Mais nous allons briser toute alliance avec les esprits des morts. Alléluia. Toute alliance avec les esprits démoniaques, bien-aimés, les esprits des morts. Mais tu vas dire, Seigneur, je brise toute alliance avec les esprits des morts. Toute alliance avec les esprits des cimetières au nom puissant de Jésus. Alléluia, proclamons trois fois, bien-aimés. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons ta victoire. Je viens briser toute alliance avec les esprits des morts. Toute alliance avec, Seigneur notre Dieu, les esprits des cimetières. Au nom puissant de Jésus, je viens briser toute alliance avec les esprits des morts. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos pères, dans nos vies. Je brise toute alliance avec les esprits des morts. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, que toute alliance avec les esprits des morts soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je brise toute alliance avec les esprits des morts. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Je viens briser toute alliance avec les esprits des morts. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Je viens briser toute alliance avec les esprits des morts. Au nom puissant de Jésus, je brise toute alliance avec les esprits des cimetières. Je brise, notre Dieu, toute alliance avec les esprits des cimetières. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, dans ma famille, je viens briser toute alliance avec les esprits des cimetières. Au nom puissant de Jésus, toute alliance avec les esprits des morts, Seigneur, soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Et nous allons continuer encore à prier, bénédicte le Seigneur. Tu vas briser, bénédicte le Seigneur. Alléluia. Bénédicte, tu vas t'élever, bénédicte, contre les esprits des morts. Bénédicte, les esprits des cimetières, bénédicte, ce sont les esprits des morts, bénédicte le Seigneur. Nous faisons alliance avec les esprits des cimetières, bénédicte, les gens qui vont dans le cimetière, bénédicte, qui invoquent les esprits, bénédicte le Seigneur. Qui viennent, bénédicte, dans les églises pour prophétiser, entre guillemets, bénédicte le Seigneur. Bénédicte, tu vas t'élever, bénédicte, contre. Alléluia. Les esprits des morts. Tu vas briser les esprits des morts. Tu vas briser les esprits des cimetières au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas détruire la puissance de la mort. Proclamons trois fois, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus est vivant. Un, deux, trois. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Les dieux tout-puissants, nous proclamons ta victoire. Nous nous levons contre les esprits des cimetières au nom puissant de Jésus. Je viens briser les esprits. Je viens briser la puissance de la mort. Je brise la mort prématurée. Je viens briser la mort brutale, la mort brusque autour de moi, dans ma famille. Je me dresse contre la puissance de la mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus. Je me dresse contre ce notre Dieu. Je me dresse contre la puissance de la mort. Je me dresse contre la puissance de la mort. Je brise la mort. Je viens briser la mort prématurée autour de moi. La mort prématurée dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets. Je me dresse contre la puissance de la mort. Je me dresse contre les esprits des morts. Qu'ils soient brisés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise les esprits des morts. Je viens briser la puissance de la mort. Je me dresse contre la mort prématurée. Au nom puissant de Jésus, je brise la mort prématurée. Je brise la mort prématurée. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Que la mort prématurée soit brisée, soit neutralisée. Je me dresse contre la puissance de la mort. Je viens briser la mort prématurée. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser la puissance de la mort. Je brise la mort prématurée. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Que la mort prématurée soit brisée, soit neutralisée. Tendre Père, je brise la puissance de la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas continuer à prier contre la mort, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons venir continuer à prier contre la mort, bienvenue. Nous allons venir prier, bienvenue dans le Seigneur, pour briser, bienvenue, la puissance des accidents. Alléluia. Mais tu vas briser la puissance des accidents, bienvenue. Bienvenue, tu vas briser la mort téléguidée, bienvenue, dans le monde occulte. Alléluia. Tu vas briser la mort téléguidée dans les mondes occultes. Bien-aimé, tu vas briser la mort téléguidée, bien-aimé, dans les eaux, par les esprits des eaux, par les esprits de l'air, par les esprits des cimetières. Bien-aimé, tu vas briser la mort téléguidée au nom puissant de Jésus, par les puissances occultes. Et bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas t'élever contre la mort dans tous les domaines de ta vie.
sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Tu vas t'élever contre l'esprit des morts. Alléluia. Lève-nous, bénis de Dieu. Proclame trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Le vainqueur de Golgotha. Nous nous lèvons contre la mort, c'est notre Dieu. Nous nous lèvons contre la mort téléguidée à partir des esprits des eaux. À partir des eaux. À partir des esprits des airs. À partir des cimetières. Nous nous lèvons contre la mort téléguidée, quel que soit le lieu. Nous nous lèvons contre la puissance de la mort. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous brisons la puissance de la mort. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Nous nous lèvons contre la mort sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Tendre, je brise la mort dans mes finances. Je brise la mort dans mes finances. Je brise la mort dans mes finances. Je brise la mort, tendre Père, dans ma maison, c'est notre Dieu. Dans ma maison, dans mes biens matériels, je brise la puissance de la mort. Je brise l'esprit de destruction au nom puissant de Jésus. Je viens briser l'esprit de les accidents, tendre Père, les accidents téléguidés dans le monde occulte. Je brise la puissance des accidents, que ce soit accident des voitures, autres accidents, tendre Père, les pannes et autres dans la maison. Je brise la puissance de la destruction au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je me dresse contre l'esprit de destruction. Je me dresse contre la puissance de la mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus Christ. Je me dresse contre l'esprit de mort. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci éternel notre Dieu, pour ta grâce et pour ta faveur, au nom puissant de Jésus Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Tendre Père, nous brisons la puissance de la mort. Je me dresse contre la mort, c'est notre Dieu. Les esprits, les morts téléguidés à partir des cimetières, à partir des eaux, à partir des airs. Tendre Père, je me dresse contre les esprits des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je me dresse contre les esprits de l'enfer au nom puissant, les esprits des cimetières, qu'ils soient neutralisés, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Nous proclamons ton règne et ton autorité, les dieux de victoire. Seigneur, merci pour ta victoire. Quel que soit le lieu, c'est notre Dieu où on envoie ses esprits. Dieu Tout-Puissant, alléluia, que ces esprits soient neutralisés, soient paralysés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu vas prier, bien-aimé. Quel que soit l'autel sur lequel vient le Seigneur, on est entré, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, de pouvoir attiser, bien-aimé, ces esprits, bien-aimé, les esprits séducteurs. Mais nous allons nous lever contre les autels. Alléluia. Les autels à travers lesquels, bien-aimé, on envoie les esprits séducteurs, les esprits des morts. Mais nous allons renverser les autels maléfiques, bien-aimé, à travers lesquels, bien-aimé, on attise les esprits séducteurs, les esprits des morts. Mais nous allons renverser les autels maléfiques au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui crient contre nos vies et contre nos familles. Et les fonds, bien-aimé, commence à renverser les autels maléfiques. Tendre Père, nous levons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous nous levons contre les autels maléfiques, au nom puissant de Jésus. Que ce soit les tombeaux, nous nous levons, tendre Père, que la puissance, alléluia, la puissance et les puissances sont neutralisées sur les tombeaux. Que le feu du Saint-Esprit neutralise les tombeaux sur lesquels on invoque les esprits des morts. Les autels sur lesquels on invoque les esprits des morts. Que ces autels soient renversés. Nous renversons les autels maléfiques sur lesquels on invoque les esprits des morts. Que les autels maléfiques soient renversés, que ces autels soient renversés au nom puissant de Jésus. Nous renversons les autels maléfiques qui crient contre nos vies. Nous faisons taire les autels maléfiques qui crient contre nos vies et contre nos familles. Nous faisons taire ces autels maléfiques au nom puissant de Jésus. Nous renversons ces autels maléfiques et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Que ces autels maléfiques soient neutralisés, soient renversés. Que ce soit les tombeaux dans le cimetière, que ces tombeaux soient neutralisés. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit sur ces tombeaux. Que ces tombeaux soient neutralisés. Les tombeaux sur lesquels c'est notre Dieu. On invoque les esprits des morts sur lesquels c'est notre Dieu. On utilise comme porte pour entrer dans le monde pandémonium. Tendre, que ces tombeaux soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Nous avons le feu de volant, le feu du Saint-Esprit pour neutraliser ces tombeaux au nom puissant de Jésus, en proclamant la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu Tout-Puissant, merci. Bien-aimés, nous allons prier avec Dieu. Seigneur, délivre-nous des esprits séducteurs. Seigneur, délivre-nous, préserve-nous des esprits séducteurs au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que Dieu nous délivre, nous préserve des esprits séducteurs, des esprits de mort.
des esprits des cimetières, des esprits de l'enfer. Mais que Dieu nous délivre, nous en préserve, nos puissants de Jésus. Élève la bénédiction, commence à prier, n'est-ce pas, que Dieu te délivre, n'est-ce pas, délivre ta famille, délivre ta destinée, bien-aimé, des esprits des morts, des esprits des cimetières. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton règne, pour ton autorité. Éternel, notre Dieu, merci de nous délivrer des esprits séducteurs. Délivre-nous, tendre Père, délivre mon frère, délivre ma soeur, des esprits séducteurs, des esprits des cimetières, des esprits des morts. C'est un principe pour la délivrance. Viens délivrer ton peuple. Délivre-nous, tendre Père, des esprits séducteurs, des esprits des cimetières, des esprits des morts, des esprits de l'enfer. Délivre-nous, tendre Père. Viens nous délivrer, s'il te plaît, à travers le sang de ton fils qui a été versé à la croix. Tendre Père, délivre nos vies. Délivre nos familles. Délivre, tendre Père. Délivre notre destinée. Des esprits des morts, des esprits des cimetières, des esprits de l'enfer. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance et notre Dieu, merci pour la délivrance. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Merci pour la délivrance. Ta délivrance des esprits des forêts, c'est notre Dieu. Les esprits des forêts, les esprits de destruction, délivre-nous, c'est notre des esprits de destruction. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour la délivrance. Merci de nous préserver, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, les dieux de la délivrance. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci de nous libérer de tous ces esprits impurs. Au nom puissant de Jésus, délivre-nous, tendre Père, des esprits impurs, des esprits des cimetières, des esprits des morts. Délivre-nous de ces esprits impurs. Au nom puissant de Jésus, nous brisons la puissance de la mort. La mort dans tous les domaines de la nature. La mort dans le mariage. La mort des couples. La mort physique. La mort spirituelle. La mort sur le plan financier. La mort sur le plan matériel. La mort sur le plan, tendre Père, sur le plan relationnel. La mort à tout point de vue. Nous brisons la puissance de la mort. Nous brisons la puissance de la mort. Délivre-nous, tendre Père, de ces esprits des morts au nom de Jésus. Délivre nos familles, délivre nos familles, délivre nos familles, délivre notre destinée, délivre notre destinée, délivre nos vies, nos puissants de Jésus, les dieux de la délivrance. Tendre Père, lève-toi et délivre nos familles. Lève-toi et délivre nos vies, c'est notre Dieu, de la mort, des esprits des cimetières, des esprits séducteurs, des esprits de l'enfer, des tout-puissants, délivre-nous. Éternel Dieu, grand redoutable, délivre mon frère, délivre ma soeur, des esprits des morts, des esprits des cimetières, des esprits de l'enfer, des esprits, c'est notre Dieu, des esprits de destruction. Délivre notre Dieu, délivre-nous de ces esprits. Préserve-nous, grand roi délivré. Viens nous préserver, même à travers le rêve. Préserve-nous, tendre Père, que le sang de Jésus recouvre nos vies, nos familles. Au nom puissant de Jésus, préserve nos maisons, que nos maisons soient sous la couverture du sang de Jésus. Préserve-nous, tendre Père, préserve de toute forme de destruction au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, préserve mon frère, préserve ma soeur, préserve ton peuple. Au nom puissant de Jésus, les dieux grands redoutables, nous te bénissons, éternel Dieu grand redoutable. Nous te rendons toute la gloire, maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci éternel notre Dieu pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi éternel notre Dieu. Seigneur, merci. Bien-aimé, tu vas proclamer, n'est-ce pas, bien-aimé, la vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas proclamer la vie. Alléluia. Et la victoire. Et tu vas déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vas proclamer la vie. Tu vas dire, Seigneur, je proclame la vie. Allez, bien-aimé, commence à proclamer la vie dans tous les domaines, n'est-ce pas, de ta vie. Bien-aimé, commence à proclamer la vie. Déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je refuse la mort dans ma famille, la mort dans mon entourage. Bien-aimé, commence à proclamer la vie. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la vie. Au nom de Jésus, nous sommes en train de déclarer maintenant que nous avons la vie de Dieu. Seigneur, merci pour la vie de Dieu. Nous proclamons la vie au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu, Zoé. Merci pour la vie de Dieu, Zoé. Nous proclamons la vie et préservons de la mort. Seigneur notre Dieu, merci de nous préserver de la mort au nom puissant de Jésus. Préserve-nous, éternel notre Dieu. Préserve-nous de la mort. Tendre Père, nous proclamons la vie. Préserve-nous de la mort. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Préserve-nous, éternel notre Dieu, de la mort. Préserve mon frère de la mort. Préserve ma soeur de la mort. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la vie de Dieu. Oui. Nous refusons la mort. Éternel Dieu, je refuse la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je refuse la mort. Dieu Tout-Puissant, je refuse, notre Dieu. Je viens briser toute alliance avec la mort. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je viens briser toute alliance avec la mort au nom de Jésus. Je brise toute
alliance avec la mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je brise toute alliance avec la mort et j'en appelle à la vie maintenant, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, j'en appelle à la vie. Je proclame la vie dans tous les domaines de la vie de mon frère. J'en appelle à la vie de Dieu, Zoé, la vie qui ne peut pas être détruite, la vie qui ne peut pas être, qui ne peut pas s'altérer. J'en appelle à la vie de Dieu, Zoé, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans tous les domaines de la vie de mon frère. J'en appelle à la vie, j'en appelle à la vie. Je proclame la vie. Oh, le puissant de Jésus. J'en appelle à la vie et je proclame la vie. Dieu tout-puissant, merci pour la vie. Merci pour la vie. Éternel notre Dieu, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie, éternel notre Dieu. Nous sommes en train de célébrer la vie dans tous les domaines de nos vies. Nous célébrons la vie, éternel notre Dieu. Et nous proclamons la vie. Nous célébrons la vie. Nous détruisons la mort. Nous célébrons la vie. Nous brisons la mort au nom de Jésus. Nous refusons de mourir seuls. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous allons raconter les œuvres de l'éternel au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de Dieu. Dieu tout-puissant, merci pour la vie au nom de Jésus. Tendre Père, nous en appelons à la vie dans notre santé, dans notre santé, dans nos biens matériels. Nous en appelons à la vie dans nos vies spirituelles. Nous en appelons à la vie dans nos relations. Nous en appelons à la vie. Tendre Père, la vie qui dure longtemps, la vie de Dieu Zoé. Nous en appelons à la vie de notre Dieu. Nous en appelons à la vie. Tendre Père, à la vie abondante, à la vie abondante, à la vie abondante. Nous en appelons à la vie abondante au nom puissant de Jésus. Jésus, merci pour la vie abondante. Tendre Père, j'en appelle à la vie abondante dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. J'en appelle à la vie abondante au nom puissant de Jésus. J'en appelle à la vie abondante. Maître du ciel et de la terre, nous en appelons à la vie abondante au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous proclamons la vie abondante. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la vie abondante. Merci pour la vie abondante au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci pour la vie abondante. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le roi éternel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi, le roi éternel, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous n'allons pas mourir. Alléluia, c'est notre Dieu. Que toute suie avec les esprits des morts soit maintenant lavée par le sang de Jésus. Mais proclame la victoire du sang qui a été versé à la croix dans ta famille, dans ta vie, dans ta destinée. Proclame la victoire du sang de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je rappelle à la vie de Dieu à travers du sang de Jésus. Seigneur, je proclame la couverture du sang de l'agneau immolé dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée. Je proclame la couverture du sang de l'agneau immolé au nom puissant de Jésus. Merci pour le sang versé à la croix. Merci Seigneur pour le sang de la nouvelle alliance. Nous en appelons à la vie de Dieu Zoé. À travers le sang de Jésus, à travers le sang de l'agneau immolé. Tendre Père, je proclame la couverture du sang de Jésus. Que le sang de Jésus recouvre la vie de mon frère, la vie de ma soeur, recouvre nos maisons, tendre Père. Que nos maisons soient invisibles aux yeux de l'ennemi, à travers le sang qui a été versé à Golgotha. Que toute alliance qui nous sera proposée dans le monde occulte, à travers les rêves, l'alliance avec les puissances démoniaques, que ces alliances soient brisées par la puissance du sang qui a été versé à la croix. Jésus, merci. Nous avons scellé une alliance avec toi, l'alliance de vie, tendre Père, et non des morts. Nous avons scellé l'alliance de vie à travers le sang. Alléluia, de ton fils qui a été versé à la croix. Seigneur, merci pour l'alliance de vie. L'alliance de vie du sang de l'agneau immolé. Seigneur, merci pour l'alliance de vie. Et nous proclamons la couverture du sang de l'agneau immolé. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Alléluia, merci pour l'œuvre de la croix. Tendre Père, nous plantons la croix de Golgotha dans nos vies. Autour de nous, Seigneur notre Dieu. Je viens planter la croix de Golgotha dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Autour de nous, je plante la croix dans nos familles respectives. Nous plantons la croix de Golgotha. Je fais flotter la bannière. Alléluia. La bannière de la croix du calvaire. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Nous célébrons ta victoire à travers le sang de ton fils qui a été versé à la croix. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés. Nous allons, bien-aimés de la Seigneur, prier pour Maman Fifi. Que Dieu de grâce vienne, se souvienne de Maman Fifi, la touche dans sa santé. Élevons-nous, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous transportons Maman Fifi devant ton trône de la grâce. Nous prions, tendre Père, que tu la visites dans sa santé. Nous prions aussi pour toute personne malade au milieu de nous, tendre Père, que tu les touches, tu la touches dans sa santé, au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la guérison au milieu de nous. Merci pour ta victoire. Nos yeux sont fixés sur toi comme nous comptons sur toi. Nous proclamons ton règne dans l'église. Seigneur, lève-toi dans l'église au nom puissant. Nous nous lèvons contre les œuvres de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Nous brisons les œuvres de la sorcellerie. Bien-aimés, lèvons-nous contre les œuvres de la sorcellerie. Bien-aimés, lèvons-nous contre les œuvres de la sorcellerie. Neutralisons les attaques, alléluia. Les attaques de la sorcellerie. Bien-aimés, neutralisons les attaques de la sorcellerie. Lèvons-nous contre les œuvres de la sorcellerie. Dieu tout puissant, nous nous lèvons contre les œuvres de la sorcellerie. Nous brisons les attaques de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Tendre Père, il est dit dans ta parole, toute arme est
j'ai contre moi sera sans effet. Je déclare sans effet, alléluia, les armes de la sorcellerie contre ma vie et contre ma famille. Au nom puissant de Jésus, je déclare sans effet les armes de la sorcellerie. Je déclare sans effet les projectiles des sorciers contre ma vie, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, contre nos familles respectives. Je déclare sans effet les projectiles des sorciers, c'est notre Dieu, le fait des sorciers. Je les déclare sans effet, nous le nom d'avril. Je me dresse contre les œuvres de la sorcellerie. Dans ton père, je proclame la victoire sur les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Merci, tendre Père, pour ta victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous rendons grâce au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta victoire dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta victoire dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire dans nos vies et dans nos familles respectives, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous avoir conduits dans ce programme de prière et d'achever avec nous. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse lui sur vous sa face. Alléluia. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de tout cœur. Merci, Maman Blandine, Maman Betty Lokunga. Alléluia, soyez bénis, Maman Alpha, ah, mon pasteur lui, que Dieu bénisse, merci en tout cas, merci beaucoup, vous encourage, Maman Victoriana, que Dieu bénisse, Maman Laurel, que Dieu bénisse, alléluia, soyez bénis, Maman, la Blandine encore une fois, soyez bénis, Maman Laurel, Maman Alpha, Maman Marika, que Dieu vous bénisse abondamment, alléluia, de tout cœur, merci Maman Janine, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Seigneur, de tout cœur, merci, 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 soyez bénis. Eh bien, à très bientôt, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu se souvienne de vous. Merci.